Salut. You're welcome. Je suis welcome moi-même sur Spotlight. C'est maintenant. Demande-moi, je vous dis, ce qu'il y a dans le pays ici. Cuillère, cuillère, fourchette, fourchette sont dans le même lit. Chaque genou a quelqu'un derrière quelqu'un jusqu'à étourdir. En haut pour un moment, mais après c'est qu'on dégage. Voilà, tout le monde sait, je m'appelle Tony Nobody. Mes débuts dans la musique, si on peut le dire, hein, c'est dans le ventre de ma mère. Mais non, j'écoutais beaucoup de la musique de papa. Parce qu'on avait un tourne-disque à l'époque. J'écoutais énormément de la musique. Et cette musique-là m'a bercé. Et comme pendant notre génération, on a été beaucoup plus influencé par la musique américaine. Donc, on a beaucoup plus été funk, beaucoup plus été disco. Rhythm and blues, oui. Le rap, il est venu après. Et voilà. Mais sans oublier que la siko, le mangambe, le bentikin, c'est les valeurs que nous avons toujours eues. J'ai dansé la siko plus que toutes les danses de ma vie. Mais le rap est venu et puis j'ai été mordu par le virus du rap. Les débuts du hip-hop au Cameroun, moi j'ai trouvé que le hip-hop avait déjà commencé au Cameroun parce qu'il y avait des grands frères bien avant nous qui rappaient déjà dans les lycées et collèges, dans les concours et dans les concerts scolaires. Et on les a suivis. À l'époque, c'était les BBB. À l'époque, c'était les Alain Price qui ne vit plus aujourd'hui. Voilà, moi, c'est de la génération de la libre expression de Bonapriso avec le Georges M.M. Big up à toi, Georges Bassi. Et puis, on a créé RBR Possi. Et ensuite, j'ai créé Bantu Possi. Donc, pour vous dire que c'est une génération bien ancienne. Et de Bantu Possi à Tony Nobody, voilà cette transition aujourd'hui. Les anciens, certains sont partis, certains sont restés. La preuve, Boudor est là, un des anciens. Valsero Serval, il est là. Abe, Kota Lonambele, il est là. Big Bezi est aussi là, d'une certaine manière, parce qu'il a choisi un bon couloir aujourd'hui. Il est extrêmement croyant, et je salue sa croyance. Mais de nombreux aussi sont partis, comme dans tous les domaines du monde. Il y a ceux qui restent, ceux qui partent. Dommage, parce qu'il y a plein de soldats qu'on a laissés en route. Pourquoi je parle de soldats? Parce que pour nous, c'est un engagement. C'est un engagement martial même, s'il faut le dire. Parce que la musique, pour moi, le rap, a pour but de transformer la société. C'est de la poésie. Et avec cette poésie, on est capable de transformer la société. On est capable de la réduire en miettes. On est capable de la bousiller. Donc, je suis resté simplement parce que pour moi, je peux te le dire, je peux dire aux auditeurs, aux téléspectateurs de My Music, c'est que j'ai une mission et je me suis rendu très vite compte que Dieu m'a donné une mission. Celle de transformer les gens à travers les actions que je fais. Ce n'est pas seulement en musique que je suis resté. Je suis resté dans la présentation en télé. Je suis resté dans la création en tant que producteur. Je suis resté dans la création en tant que producteur de musique. Je suis resté dans l'événementiel. Donc maintenant, ma casquette d'homme d'affaires, je crois que tout le monde est appelé à faire des affaires. Mais si tu me demandes musicalement, c'est une mission de transporter les gens vers des sphères hautes. L'Afrique et le Cameroun a besoin de ça. Debout. L'actualité, surtout le single Debout, produit chez Makeya Prod. Voilà, je salue Bob, Laurent et tous les autres, voilà, qui sont du côté de France. Black du côté du Cameroun, Black Lion, sans oublier Moukala et Bois, que je salue. J'ai juste envie de dire que Debout n'est pas seulement une chanson. J'ai bien commencé avec Danse d'abord, avec toujours Makeya, et ça fait quelques mois quand même, presque un an. Mais Debout a pris une ampleur énorme parce que je ne me suis pas arrêté à un mot. Debout n'est pas seulement un refrain, c'est une manière de vivre, c'est un slogan, c'est un mouvement. Nous devons nous lever. Aujourd'hui, on est à près de 100 000 vues, apparemment. Parce que je n'arrive même pas à regarder les réseaux sociaux. Toutes les chaînes de télé, tout le monde prend, tout le monde adore. Parce que ça concerne tout le monde. On est aujourd'hui à la croisée des chemins au Cameroun. Tout le monde a peur que ça puisse exploser. La société, elle va imploser d'elle-même. Il n'y a pas de travail. Il y a le faux partout.
Tout le monde triche, tout le monde vole, tout le monde est aigri, tout le monde veut faire le njansan, tout le monde veut être le commerçant, tout le monde. Il y a le ndem qui s'est implanté. Debout a pour but d'attirer les attentions, mais surtout d'appeler tout le monde à la conscience. Je veux une conscience collective. Mais dans quoi ? Dans la paix. Et je stipule dans ma chanson Debout, quand je dis je parie que tu paries que je fais magie parce que le pari c'est comme souris à Paris. Le niveau de carie de conneries dans mon pays, tu paries, te donne pas d'arrêt. Babylone veut qu'on se mette à genoux. Oui, c'est Babylone. Mais non, je ne veux pas parler comme un gars qui fume le tar, qui dit yo Babylone. Non, non, non. Je vous dis, si vous comprenez très bien, je dis, on te dit entre les lignes, je vais vous dire qu'il y a, si on s'entend, si on s'aime, si on est ensemble, personne ne peut nous détruire. Debout donc appelle justement à ça. Debout veut dire à tous les Camerounais que nous avons l'obligation de nous lever et d'être unis. Appelle-moi le king du West, il a vitesse de Messi et Joe du MIC. Mon flow il est précis, la matière apprécie. C'est Tony le body, le king d'une con qui concasse les cancans MC. Les cons qui confient appétit, le dev. Quiconque qui conduit mes confrères à la connerie, deviens mon ennemi. Si vous avez remarqué, l'Afrique a pris une ampleur énorme. Et moi, au lieu d'aller seulement tourner les reins, je vais attirer l'attention de tout le monde vers ce qui est le conscient. J'ai créé un univers, je me suis mis dans un carcan qu'on appelle l'afro-trap conscient. C'est que je peux rapper dans du trap qui est africain, mais je vais être conscient, je vais amener les miens à être conscient. C'est pourquoi l'album est dans le même sillage des singles que j'ai sortis. Le single Danse d'abord et le single Debout. Mais je vais te dire, l'album va s'appeler Debout. Parce que nous devons nous lever en termes spirituels, parce que l'Afrique a besoin de se retrouver. Les Africains ont perdu leur spiritualité, biaisée et galvaudée parce qu'on nous apprend à gauche et à droite. Je n'en veux à personne, mais tout ce que je veux dire à tout le monde, l'autre premier truc en spiritualité, c'est le respect des aînés. Si on ne respecte pas les aînés, on est foutu. Tu ne respectes pas ton père, tu es mal parti. Tu ne respectes pas ton grand frère, tu es foutu. Pareil pour les parents. Donc les enfants d'aujourd'hui sont foutus. Parce qu'on a perdu la valeur qui est la plus importante, est le respect des aînés. Et l'aîné se retrouve dans tout. L'aîné, c'est la nature, puisque les éléments de la nature sont arrivés avant l'homme. Donc c'est pourquoi je pense que Debout, qui est l'album qui arrive vers octobre, oui, octobre ou novembre, voilà, nous allons avoir la chance, par la grâce de Dieu, de vivre un moment important. Collectez-vous, collectez-vous. Insta, Snapchat. Moi je fais mon direct ici. Debout, Tony le body est chez vous. Que tout le monde se mette en position parce que le king du monde tout est chez vous. Samy, ça c'est une question qui est lourde de sens. Je vais être franc. Il n'y a pas de game au Cameroun. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de marché. On risque même pas compter de véritables artistes. Je vais être très dur là-dessus. Parce qu'il nous faut un boulot profond. De la technique, en passant par les artistes, sans compter les administratifs, c'est-à-dire managers, producteurs et autres. Et maintenant, le marché en lui-même. Non, faut pas qu'on s'amuse. On vend quoi? Citez-moi combien d'artistes vendent quoi au Cameroun? Et ça, c'est le boulot que nous devons faire. Je dis, nous, je parle de moi, je parle de ceux qui me regardent. Ce métier ou cette tranche de la culture est capable de faire vivre des Camerounais. Il suffit qu'on la rende industrie. Mais pour qu'elle devienne une industrie, il faut que les gens y comprennent, qu'ils sachent de quoi il en retourne. Le game n'existe pas encore. Nous sommes dans les prémices du game. Les artistes, on a certains. Parce que même pour être un artiste, Tara, c'est un boulot. Ce n'est pas n'importe quoi. Un artiste, pardon, est celui qui doit d'abord se préparer à le devenir. Parce qu'il doit vendre quelque chose. Aujourd'hui, tu m'entends, les gens, ils parlent d'album. Je ne veux pas me mettre à critiquer, à dire n'importe quoi. L'album, ce n'est pas parce qu'on a enregistré plein de singles, on les mélange, on fait un album. Non, 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 non. Un artiste, c'est toute une construction. Le son d'un album, c'est une construction. Le son même d'un pays, dites-moi, où est le son camerounais, on le reconnaît comment? La sonorité camerounaise, on la reconnaît comment? Moi, on reconnaît la sonorité ghanéenne, la sonorité nigériane, la sonorité même sud-africaine, on la reconnaît. Mais là, on ne la reconnaît pas. Ah, dites-moi, il y a combien de producteurs au Cameroun? Produit, c'est quoi? Parce que tu as donné 300 000 à un enfant de faire un vidéogramme,
C'est ça? Ah bon? Mais non. Les vidéogrammes d'abord. Au Cameroun, les vidéogrammes coûtent entre 3 millions en descendant jusqu'à 50 000. Mais non, les vidéogrammes coûtent cher. Un vidéogramme, c'est au moins 15 millions. Véritablement. Parce que nous, on prend la cousine, on prend le cousin, on prend la voiture de l'autre et tout. On n'a même pas... Oh, faites vite, vous allez rentrer. On tourne les clips en un jour. Non. Mais tout ça, il ne faut pas, cracher dessus. Puisque c'est le boulot que j'ai fait depuis toutes ces années-ci. OK. J'ai mis les mains dans du cambouis, dans la gadoue, pour révéler quelque chose. Maintenant, it's time to play. Alors que ceux qui ont les ronds là, qu'ils sachent que la musique peut donner beaucoup, beaucoup d'argent. Et surtout, avec ce qu'on appelle Internet. On peut devenir des milliardaires seulement en vendant de la musique. Mais si elle est bien faite! Parce qu'il y a les standards dans le monde. Pourquoi un jeune Camerounais ne se battrait pas dans le même rayon que Davido ou Wizkid et autres? Mais ça va être difficile! Puisqu'il faudra parler de la technique, il faudra parler du sommet, parce que là-bas c'est le sommet, Tara! Là-bas c'est le sommet! Et maintenant le public en lui-même, parce que quand on parle de game, on parle de marché. Tara, on a quel marché? Qui veut acheter quoi? Au Cameroun, tout le monde veut vendre. On est un pays où chacun veut avoir une boutique, un call box. On veut la musique Dior. On n'a même pas d'abord le process de... c'est pas encore répandu, il y en a quand même. Mais combien de gens achètent la musique à travers leur carte bancaire? On a un souci. Nous devons trouver tous ces moyens. Tout ça doit être en jeu. Tout ça doit aller ensemble. Donc j'attire juste l'attention de tout le monde que non. Nous avons quelque chose à construire. Venons ou venez. Mettons-nous ensemble et faisons-le. On a des fils de riches, on a des fils de ministres, on a des gens qui ont du rond. Parce que l'autre partie de la musique, c'est de l'argent. C'est cette autre partie-là. C'est elle qu'il faut aussi. Mais il ne faut pas qu'elle vienne trouver des coucougnoufs qui sont à l'administratif ou qu'elle vienne trouver des cancres qui disent qu'ils veulent chanter. Nous, on commence par la fin au Cameroun. Aux États-Unis, on peut chanter le sexe, on peut tout chanter. Ils ont déjà chanté la liberté, ils ont déjà chanté l'égalité, ils ont déjà chanté la fraternité, ils ont déjà tout chanté. Mais nous, on commence à chanter les culs. Excuse-moi, hein, je vais être cru. On commence à chanter les fesses. Au début, on commence par la fin. Donc, on a ce problème. Et on ne peut pas évoluer comme ça. Et pour sortir de là, on a ce qu'on appelle la vision politique. La vision politique. Le politique camerounais pense quoi de la musique, du culturel? On a ça. Je vous dis, il y a les fonds qui sont dans les mairies, dans les communautés, pour pouvoir apporter un soutien à la jeunesse ou à la culture. Qui est au courant? Les mairies font quoi? On a les droits d'auteur qui n'existent presque pas. Combien d'artistes ont perçu leurs droits d'auteur? Donc tout ça doit être mis en place pour qu'on parle du paysage culturel ou musical camerounais. Dès qu'on gère ça, parlons. Je parie que tu paries que je fais magie parce que le pari c'est comme souris à Paris. Le niveau des caries, des conneries dans mon pays, je parie te donne panari. Le monde entier tout est à genoux, puis autour de nous partout c'est chelou. Le feu, le sang autour de nous, alors je vous dis que tout le monde reste debout. Babylon veut nous enlever le goût de vivre entre nous, mais l'amour des sous nous jette tout sous dans le goût du flou. On ne sait plus qui est qui entre nous, c'est fou. Man a tous les suppos d'une dame, c'est Kaya. Au nom de mon Seigneur, moi je vous dis Faya. Vous allez me tenter, oui, jusqu'à vous taillard. Nous sommes les héritiers de Thomas Sankara. Mais mon mot de fin, frangin, c'est que la musique vive, que la musique monte, que ceux qui peuvent apporter, parce qu'ils sont des élus. Écoutez-moi bien, il y a des gens qui sont des élus. Que ces gens se lèvent, que tout le monde se lève. L'Afrique a ses élus, le Cameroun a ses élus. Tant que ces gens ne se mettent pas en place, rien ne va arriver. C'est vrai, c'est mon actualité, c'est vrai, c'est mon single. Mais la vérité est que si on n'est pas debout là, on est mort. On est dans l'undème. Debout, oh, debout. Tony Nobody est chez vous. Que tout le monde se mette en position parce que le King du Mutumbu est chez vous. Debout, oh, debout. Tony Nobody est chez vous. Appelez les pompiers car tout va cramer. Le monde entier est déjà à genoux.
objectif.